Je vous le dis tout de suite, si vos parents, vos beaux-parents, vos grands-parents, votre prof, votre boss sont dans la pièce et qu'ils peuvent entendre ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est probablement pas le bon moment pour la regarder. Je m'appelle Yann Piette, vous êtes sur Le M'Expliqué et dans cette vidéo, je vais vous livrer 9 sextos qui vont rendre votre mec complètement dingue de vous. Si je dis votre mec, c'est pas par hasard. Ces messages sont à envoyer à une personne avec laquelle vous êtes en totale confiance. Donc ça peut être votre mec, ça peut être l'homme que vous fréquentez actuellement, mais assurez-vous que cet homme est suffisamment intéressé. On n'a pas envie d'envoyer ses sextos à n'importe qui. On veut avoir une connexion forte, on veut être sûr de son intérêt, on veut que dans l'intimité, ça se passe bien. Voilà, après ces différentes mises en garde, la vidéo peut commencer. Mon premier sexto, il est très simple, c'est un truc que tout le monde peut s'approprier. Il s'agit de prendre une situation qui n'est pas sexuelle et de la faire basculer dans l'érotisme, voire la sexualité. Imaginez par exemple, cet homme vous envoie une photo de sa tenue et vous allez écrire la chose suivante. Sympa ce jean, la braguette ouvre à quelle heure? Ce qui est génial avec ce genre de texto, d'une part, c'est qu'il ne va pas le voir venir, il est en train de vivre sa vie, il envoie une photo un peu banale et hop, tout à coup, on est propulsé dans notre univers sexuel. Donc ça, c'est déjà une chose qui est très appréciable. Et c'est aussi le fait que c'est vous qui opérez ce basculement. Les hommes ont très souvent l'habitude que ce soit eux qui cherchent à détourner la conversation vers quelque chose de sexuel. Eh bien, quand c'est la femme qu'ils fréquentent, quand c'est leur petite amie qui fait ça, eh bien, c'est quelque chose d'absolument renversant. Parce que ça montre que vous le désirez. Les amis, on a un problème en réalisant cette vidéo et en la montrant à différentes personnes. On a estimé que c'était du contenu vraiment trop sensible pour YouTube. Je sais que si je publie ça, si je vous montre les 8 autres sextos que j'ai préparés, mon Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je sens que je vais le regretter parce que voilà, on est sur quelque chose de sexuel, on est sur quelque chose de très intime. Ça risque d'exploser, j'ai pas envie de prendre ce risque. Donc voilà ce qu'on va faire, je vous propose d'accéder au reste de la vidéo et aux 8 autres conseils sous haute tension immédiatement, gratuitement, sans aucune difficulté. Il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, de cliquer sur le lien et de vous laisser guider et accéder au reste de la vidéo qui, je suis sûr, va énormément vous plaire. Voilà, c'était Yann. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez retrouver mes vidéos chaque semaine. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir à moi et à mon équipe, et à me laisser un commentaire sur les thématiques que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, et évidemment à voter pour les commentaires qui suscitent le plus votre intérêt. À très vite.